Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me troll? Ah voilà. En plus, j'ai commencé à jouer à Poker Rock grâce à toi. The Dream! En vrai, Poker Rock, c'est trop bien, c'est grave rapide et tout. Si vous connaissez pas le jeu, vous allez très vite comprendre. Le principe, c'est Pokémon, mais sans la partie où est-ce que tu te balades dans les petits villages avec les petites musiques. Enfin, t'as quand même des musiques, mais t'as que des combats qui se succèdent et tu peux prendre des bonus entre chaque truc. Et l'objectif, c'est de faire la plus grande run en faisant le plus de vagues possible. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais vous allez comprendre, je vous assure que vous allez comprendre, d'accord? Vous allez comprendre. Hop. Et on va devoir enlever la musique électronique aussi. Electronique. Charger une partie. Ah non, Daily Run. Non, 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 non. Alors, nous, on était. Alors, on avait recommencé une partie. Donc, en gros, vous avez rien raté parce que la dernière fois, je me suis fait poutrer parce que j'ai fait une mauvaise décision. Et voilà, j'ai fait un mauvais parcours, quoi. Mais ça arrive à tout le monde, d'accord? Donc là, on recommence avec de bonnes bases, avec Tortipousse, Wistikram, Tiplouf. Basique. Ok? Basique. Ça va le faire. J'y crois. On y va. C'est fort le son? D'accord. Je baisse le son. C'est la meuf qui pète un cap sur le son. Ok. C'est ok? On est bon là ou pas? Ok, alors Tortipousse de type herbe. De type plante, pardon. Non, je ne veux pas changer mon Pokémon. Attaque, charge. Vas-y, Tortipousse. Tortipoutre. Le niveau le plus haut que tu as fait. C'était quoi le niveau le plus haut, les amis? Je suis un peu une merde à pas me souvenir, mais je me souviens plus. 25 peut-être? Un truc comme ça? 10? Non! Arrête, je suis allée au moins au niveau 30. Non, moi j'abuse. Peut-être niveau 25. 20, 25. 21. 21. 22. Ok, donc là vous voyez, on a fait un combat, et juste après ce combat, en fait, on a le choix entre trois objets qui nous apportent des bonus particuliers. Là par exemple, ça peut augmenter d'un cran les attaques spéciales pour toute l'équipe pendant 5 combats. Ensuite, on a la capacité anti-air qu'on peut apprendre à un Pokémon, et là on a une potion si on veut heal quelqu'un. Et du coup, c'est gratuit. Et à côté de ça, on peut choisir aussi des items qui sont payants, et comme vous le voyez en haut à droite, il y a le nombre de Pokédollars que je possède. Je peux en gagner de plus en plus, à chaque fois que je gagne un combat, normalement j'en gagne, contre un dresseur. Et si j'ai besoin d'un truc, du coup je peux l'acheter, mais ça me coûte cher quoi. Et du coup là, je sais même pas quoi faire. Oh, Alt C, or Shift pour More Info. Oh, The Dream. Le lanceur jette un projectile sur la cible, si cette dernière vole, elle tombe au sol. Roche. Eh, ça peut être pas mal ça, vas-y, je vais prendre ça. Anti-air. On le mettre à Tortipousse. The Dream. Oui, mais j'ai une mage dinguerie. Nirondelle. Eh, j'ai peut-être envie de le prendre. Nirondelle, Nirondelle. Je me souviens pas. Donc attends, logiquement, c'est quelque chose qui vole. Donc moi, avec mon team plante, je suis pas bien, parce que lui, il va vouloir me bouffer. Donc je vais changer de Pokémon. Je pense que Wistikram peut être fort. Donc on va prendre un Wistikram. Pic pic, ok. Et là je vais essayer de le capturer. Comme ça j'ai un Pokémon de type vol et de type normal dans mon équipe. Voilà. Ça va être bien, ça va être bien. Ça va au niveau du son, vous êtes good? Ça se passe comment? Augmente d'un cran accuracy pour toute l'équipe pendant 5 combats. Augmente énormément, il y a une statistique au hasard si les PV sont inférieurs à 25. Ça c'est bien, mais plus tard, parce que 25% précision, d'accord. On va peut-être prendre une petite popo, qu'est-ce que vous en pensez là? Parce qu'on est en début de partie, autant ne pas perdre de PV trop rapidement. Puis comme on est vraiment au début, je me dis autant optimiser Nirondelle. Est-ce que je heal Nirondelle? Ah, je sais pas quoi faire. Précision, on peut augmenter l'accuracy et heal un petit pote à la limite.
On peut heal Wisty Crab parce que je pense que c'est lui qui va aller plus loin assez rapidement. On va peut-être le heal après. Ouais. Vas-y, on le heal tout de suite. Petite précision, allez hop. Normal, c'est super OP sur Pokérogue. De quoi tu parles? Oh, bah je vais le défoncer lui. Voulez-vous changer votre Pokémon? Non. J'attaque bien sûr, le type normal. Ah oui, oui. Oui, oui. Ah, c'est OP sur. Il me faudrait un queue d'auteur alors. L'épidonie glauque un peu, mais pourquoi? Augmente d'un cran. Normal, c'est fort contre quel type? Contre tous. En vrai, je sais pas. Les professionnels de Pokémon, de Pokérogue pourront vous répondre. Pour votre réponse, je pense. Augmente d'un cran speed pour toute l'équipe pendant 5 combats. Restaure 20 PV, 5 Pokéballs. 5 Pokéballs, on s'en fout. Je m'en fous, mais je m'en fous, quoi. M'en fous. On va augmenter la vitesse, je pense. Son aura est malveillante. Ah ouais. Alors, Wisty Crab, je pense qu'on va aller... On va aller cramer Chenipot. Ah non, non, mais je veux pas changer du tout. Est-ce que je veux changer Tortipousse? Non, je ne pense pas. On utilise Griffe sur Chenipot. Et on utilise Anti-Air sur Gourmelet, voir ce que ça donne. C'est neutre contre tous, sauf Spectre. Qui, eux, ça les touche même pas. Ah oui. C'est neutre, ok. Tu dois faire Wisty Crab. Slay, globalement, mais ça, après, il le fait déjà, donc c'est ok. N'oubliez pas de slay dans vos vies, bien sûr. Hein. Si vous entendez ce message, c'est important, il faut le prendre en compte. Comme ça, tous les jours. Vous vous levez le matin, vous êtes comme ça. Devant votre miroir, comme ça. Salut Limon, merci beaucoup pour le 4e mois de niveau 2. Désolé, on n'a pas beaucoup entendu l'alerte parce que le son de Pokérogue est vachement fort. Mais merci beaucoup, let's go. Wow. Comment tu vas? Alors là, on va peut-être chercher à heal notre Wisty Crab qui est un petit peu low. Un petit peu low, ce bolos là. Ben ça va et toi? Ça va. Ça va super. Oh, oh. Débloque les Terra Éclat. Attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? OMG. Mais de toute façon, dès que ça a une écriture un peu orange ou rouge, je suis en mode roi dinguerie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Terra Élan que je connais. Ouais. La Terra Cristallisation. No way. Tu peux Terra cristalliser, genre tu peux les transformer en gros Pokémon? Arrête. Attends, je regarde ma montre. Il est 7h08. Il est 11h08. C'est assez fort. Bah écoute, on va prendre ça. Hein. Et on va se payer une petite popo. On va sans doute heal mon petit pote Wisty Crab. Voilà, et on va prendre l'orbe Terra Cristal, bien sûr. Je sais pas trop ce que ça veut dire. À quoi ça correspond, mais ça devrait être bien. Ok, Aspico. Ce serait bien que Wisty Crab il apprenne une capacité de type feu quand même. Hein. Ce serait sympa. Doulou, 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 doulou. C'est pour changer de type, no way. Ah ouais, mais c'est ce qu'il est ça. Est-ce que je peux... du coup... Ah, débloque les Terra Cristal. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir récupérer des trucs et ensuite les utiliser. Oh, meurs pas, s'il te plaît, Wisty Crab. Merci. Merci, ma biche. Oh, Flamèche. Oh non, non, non. Non, impossible. Pourquoi j'ai encore perdu? Vous remportez 110 Pokédollars. Ok. Y a pas de truc pour se soigner les états chelous là. Donc on va utiliser une potion, je pense.
Et puis on va croiser les doigts, hein. Pour que Wistikram soit en bonne santé. Ouais. On est au tour 5, donc je pense que je vais quand même assez... je vais aller heal mon petit Tortipousse. Et puis je vais heal mon petit Wistikram. Oh ! Nidoran. Alors Nidoran, est-ce que j'ai envie de le prendre ? Parce que poison, ça peut être pas mal quand même. Salut Skira. Oh, j'adore cette musique. Mince! Je voulais peut-être le capturer, j'ai complètement oublié. Ah ouais. Ah, Super Bowl, Super Bonbon. C'est un peu nul, Super Bonbon, quand même. Hein. On va prendre une Super Bowl, je crois. Si jamais t'es perdu au moment des niveaux des altérations, d'état... Ok. Pour mon Pokémon qui est en train de combattre, c'est ça? Ah non, mais cette musique, moi, elle me donne envie d'explorer le monde et d'aller sauver des Pokémon dans des grottes, quoi. Tu vois? Grain, trop mignon. Il est trop mimes. Moi, Tournegrain, c'est le genre de Pokémon qui me donne envie de le capturer, tu vois. Genre, je le vois comme ça, mais il est trop mimes, en fait. Une patate volante, c'est une petite graine. Elle fait cette taille à peu près dans la vraie vie. Imagine, tu lances ton Pokémon, il fait cette taille. Boop! Et hop là! Et en face de toi, t'as Tortank, genre. L'angoisse! Ouais, ok. 17 sur 23, c'est giga ok. Il est giga fort. Juste croissante, il gagne 0,01 mm. On va utiliser... On va prendre les Pokéballs. Pokéballs. Ah, il va me sortir un Pokémon de type plante, là, je le connais. Gwenaël, je te connais. Ah, il parle français maintenant. Surtout, ne te réviens pas et donne-moi tout ce que tu as. Allez, sors-moi ton petit... Allez, ton petit germignon. Quoi ? Quoi ? Comment ça, moustillon niveau 7? Poichijon, mais t'es un petit filou en fait. Tu changes de Pokémon comme de chemise, toi. Vas-y, je renvoie Wistikram. Vas-y. Vas-y, ma biche. Flamèche. Non, mais tu passes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non ! C'est ok, c'est ok. Allez, go Roche, mais... Moi, on m'a dit Roche. Roche, c'est nul contre eau. En tout cas, c'est l'eau qui l'emporte sur la roche, donc je me suis dit, je vais pas utiliser roche. Mais roche, ça détruit le vol. C'est vrai? Nickel. Coup critique. Oh, ce n'est pas très efficace, et pourtant tu perds tellement de PV, ma puce. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on a Tortipousse. Et Tortipousse, il va slay. Roche. Charge. Charge. Sinon, j'allais sortir mon hirondelle niveau 2. Oh
là là, on est vague 8, je galère comme ça, c'est pas possible, je suis pas faite pour ce jeu. Oh là là. Ah, super charme, multi-exp. Merci, merci, merci. Réanime et restaure tous les PV de tous les Pokémon KO. Ça, c'est une folie si t'as ça dans une run cool. Parce que là, moi, j'ai ça niveau 8. Je vais le prendre, évidemment. Mais c'est fou! Est-ce que j'ai vraiment besoin de heal mon petit pote, là? Attends, mais pourquoi t'es déjà en PLS? Pas de jugement, s'il vous plaît, c'est chiant, là. Oui, je veux changer de Pokémon. Mysticram, va me cramer cette chenille, là. Qui se prend un peu trop pour je sais pas qui. Pipipipipi. Salut Mélodie, ça va et toi? Quoi de neuf? Ça va vous? Votre semaine se passe bien? Moi je suis contente d'être de retour le matin. Je suis contente. Restaure à 10 PV une capacité dès que ses PV tombent à 0. Moi je pense que j'ai bien envie d'utiliser ça sur Wistikram parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup les mêmes capacités. Ok, attendez, je vais juste Pipsers. J'arrive. Salut Over. La coupure de courant chez moi. Ah, t'as une coupure de courant, merde. Mince, j'arrive dans une minute. Attendez, si vous voulez, vous pouvez faire des paris, je vais activer le chrono. Le chrono Pipsters. Est-ce que vous le voyez là? Ou pas? Ah non, vous le voyez pas. Putain, il est où? Chrono live. Pas ça. J'essaye. Hein. J'essaye de mettre en place ce truc, mais chaque fois, j'y arrive pas. Ah, c'est peut-être dans le texte. Ok. Attention. Mais c'est pas possible. Stop. Stop. Voilà. Une minute 4, the dream. C'est quoi ce chat là? Oui, bien sûr. Dans les 1 minute 4, bien sûr. T'inquiète. Alors. Re. Il y a peu d'ennemis. Et le seul Pokémon qui bouge pas. C'est vrai, il bouge pas, l'épidonie. Il est trop bizarre. Voulez-vous changer votre Wistikram? Non. Vous voulez changer votre type loup?
Oui. Je sais pas. Pff, en même temps. Il est de type vol et herbe. Donc je pense que je vais focus le granivole qui risque de défoncer mon type louf. Et grass face pour granivole aussi. Parce que laisse tomber. Double boss. Ouais. J'ai pas de chance. Bon, je vais les défoncer donc c'est ok. On va attaquer l'épidonille. C'est vrai que l'épidonille il bouge pas, genre il se prend pour qui en fait. Oh, petit plouf. Défonce-moi ce granivole, voilà. Dis-lui. Bon, après on est à l'avec 10 de toute façon donc on peut mourir, c'est pas si grave. Hein. Flamèche, attaque, écrase face. Allez hop. Écrase face, pardon. Je me prends pour qui en fait. Hop. Let's go. Vous savez quoi, je la sens bien cette run. D'accord, je la sens. Je la sens positive. Je la sens extrêmement efficace. Mais pourquoi j'ai pas eu mes trois petits objets? Ok. Wistikram, je vais le up de toute façon, parce que ça va être mon pote. Il va se faire défoncer, les types combats aussi, lui. Oh non, je ne veux pas changer de Pokémon. Flamèche. Burn. Pic-pic, faire attention. Hop, on en reparle vite. Eh, vous pouvez faire des prédictions d'ailleurs. Vous voulez pas faire une prédiction? Genre, jusqu'à quelle vague je vais. Tu vois? Ça vous dit ou pas? Pariez un peu vos points de chaîne, là. Jouez un petit peu de votre côté aussi. Mouillez-vous les pattes! J'ai envie de dire. Genre, tu peux faire vague, je sais quoi, 5 par 5? Ça peut être sympa, non? Comme, de toute façon, je veux pas aller giga loin. Tu peux faire... vague... 12 à 15, 15 à 20, 20 à 25, un truc comme ça. Ou alors tu commences... Ouais, je sais pas. Non, tu commences à 12, c'est pas mal. Tout le monde qui va oser genre pour le 15-20. 15-20, 20-25, ça se joue là-dedans pour moi, mais bon... Oh, attends, j'ai peut-être spoil. Le problème, c'est que vous me mettez de l'eau à côté de moi, là, je suis tout le temps en train de boire, du coup, en fait. C'est ça, le truc. Alors, c'est bien, comme ça, on s'hydrate, hein. Mais j'arrête pas de pisser, quoi. Terrible. Elle vient d'où, cette musique, déjà? J'ai du mal à me situer. Oh, la prédiction a été lancée, mais celui-là, n'hésitez pas à parier les points de chaîne. C'est pour ça que j'arrête plus de jouer depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, vous pouvez parier vos points de chaîne. Ça, c'est The Dream. À quelle vague est-ce que je perds sur PokéRogue, sachant que je suis une professionnelle de Pokémon. Parce que les Pokémon après la 5G sont des Pokémon... Ah ! Qu'ont pas de sprite pixelisé animé. Putain, c'est trop dommage. Oh, elle prend provoque. Ok, niveau 7, c'est bien. Wistikram niveau 9, c'est une bonne chose. Donne la nature bizarre à un Pokémon et la débloque pour le starter lui étant lié. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'adresse aux professionnels de PokéRogue. Aromate bizarre. Une hirondelle.
pour mieux manger ton Pokémon. Arrête! En gros, tu stabilises la nature de tes Pokémon. Bizarre, nature neutre, donc Osef. Ah. À une nature nulle. Qu'est-ce que tu fais pour check Nirondelle là? Comment tu fais résumer? Ah! Non. X? Attends, je vais appuyer sur une touche là. Résumé, c'est quoi? C'est... B? Clique dessus. Ah! Ok. Où est-ce que vous voyez que c'est nul? Hardy nature. Ok, bon écoutez, je vais partir du principe que c'est nul du coup. Et je vais sans doute prendre... Super Ball, j'en ai déjà. À voir si c'est rare ou pas. Les précisions... je vais peut-être prendre des Super Ball. Précision, ouais, Super Ball. Oh, il est déjà niveau 8. Dis donc. Pitié. Pitié, meurt. Ok, ok. Ok, merci pour les infos. Tortipos niveau 8. Le lanceur se concentre avant d'attaquer, échoue s'il est touché avant d'avoir frappé. Ouh, puissance 150. Eh, ça va être sympa ça. Pour Wistikram. En attendant de nouvelles capacités. On va le heal. Oula non, c'est nul. Je pense que... Ah ouf, ah ouais. Bah alors... Vas-y, on va prendre de la défense alors. Oh, Miaous. Miaous, Miaous. Non. Flamèche. Vas-y, il va mourir là. Faut pas qu'il meure. Faut pas que tu meures, babes. Parce qu'après, ça coûte cher de réanimer. Donc on va prendre Tortipous. Mais cela échoue, let's go. Entière. Let's go. Ouais, j'ai pensé à le prendre, mais j'ai oublié. Prend la capacité de tête de fer à un Pokémon. Le lanceur heurte la cible avec sa tête dure comme de l'acier, ce qui peut aussi l'apeurer. Ah, ça c'est une capacité de... du Pokémon là. Pokémon bleu et gris. En mode dinosaure. Il me fait penser à cette capacité en tout cas. Ça c'est giga fort. Ah c'est vrai. Kranidos, voilà Kranidos, merci. Alors qui c'est qui peut l'apprendre? Nous avons Tortipous qui peut l'apprendre. Allez, Tortipous. Bleu et gris.
Excusez-moi. Je faisais un truc. Je mettais une table des types devant moi. Comme ça, je suis sûre. Alors. Non. J'ai envie de tester tête de fer. Ouh. C'est pas dingue. Tête de fer? Dream. Ah non, c'est une meuf entière. C'est pour ça qu'on l'aime bien. J'aime bien. Volvi, alors Volvi. Volvic ou quoi? Volvic! Le lanceur se recroqueville sur sa carapace, gagnant de sa défense. On peut la remplacer? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, non? À la place de repli. Vas-y, on va faire ça. Jamais j'utiliserai repli en fait. Bonjour! Salut Jean Malmarant! Augmente un cran speed pour toute l'équipe pendant 5 combats. Et il y a toujours une prédiction en cours, là on est pas mal, 14. Bon, en vrai, 14 c'est pas dingue non plus. On a avancé de 2 tours, tu sais. Alors la question c'est, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre de la vitesse? Après je risque d'avoir un combat bientôt donc ça peut être intéressant. Ouais, puis en plus Pokéball et potions, bon on peut payer 64$. En vrai de vrai. On peut prendre de la vitesse. Ouh, le petit que d'auteur niveau 10. Oh putain, je vais peut-être le prendre lui hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, l'équipe. Bidouf, bidouf. Trop mims. Oui, je veux changer mon Pokémon, je vais prendre Wistikram. Est-ce que je l'attaque une deuxième fois? Nickel. Roulade. Oh! Vous pensez qu'il peut ne pas être capturé là? Voilà, la petite Pokéball. Oh la gueule de la défense. Oh la vitesse. Oh la vitesse. Oh la vitesse de pointe. Oh le Conotor. Oh il va vite hein, celui-là, putain. Oh purée. La roche étouffe les flammes, donc c'est efficace. Ouais, mais il me semble que le combat est fort contre le neutre, donc c'est pour ça que je l'ai mis, tu vois. Parce que je sais qu'après Wistikram, ça devient aussi du combat. Muscle plus. Augmente d'un cran le critical hit ratio pour toute l'équipe pendant 5 combats. Ça peut être sympa, ça. On va prendre encore une autre potion pour Wistikram. Muscle plus. Allez. Voulez-vous changer Wistikram? Salut Orbeno. Non. Si. Non. Voulez-vous changer votre type louf? Non. Attaque, Flamèche, Mimisange, Écrase Face, Pistolet à eau, Mimisange. Flamèche, Mimisange, Pistolet à eau, Mimisange. Ouais, ouais, c'était sûr qu'il allait mourir. Ok. Oh, il utilise son autre truc automatiquement, The Dream. Voilà, on met tout sur Gourmelet. All in sur Gourmelet. Let's go. Wistikram niveau 12, ça c'est bien.
Il faut qu'on continue de maxer Wistikram. Comme ça, il va pouvoir évoluer en singe encore un peu plus moche qu'il est déjà. Je dis la vérité maintenant, d'accord ? Oh, alors potion, je pense qu'on va en prendre une gratuite parce qu'on commence un petit peu à manquer de thunes, si vous voulez mon avis. Et on va heal nos deux petits potes, hein. Allez. Oh non, jumelle clé agile. Oh, je les aime pas celle-là. Eh, vous avez vu ? Il y en a un, il parlait anglais et il parlait français tout à l'heure, puis elle parle anglais. Elle parle bien de Wistikram par contre. Non mais la deuxième, la troisième évolution de Wistikram sont moches, je suis désolée. Simia Brase, mais parce qu'il est fort, mais sinon il est pas, voilà, il est pas au top de sa beau gosse attitude. Salut, t'es forte à Pokémon. Je dirais pas ça, mais je me débrouille. Get ready, because when we team up, it's double the trouble. Vas-y, le tir, le vas-y, le neutre là. Le neutre, il me stresse. Parce que neutre, neutre quoi. Alors, type défensif, neutre. Il y a le combat qui est fort. Et vous avez pas voulu que je prenne une capacité type combat tout à l'heure. Vous êtes sérieux ou quoi? Bon, ok. Double the trouble. Flamèche. Et je pense qu'on va se focus sur le même évolué. Bon là, il faut me backseat là. Je fais quoi là? Tête de fer, Volvi, anti-air. Mitra point prend deux tours pour se charger. Ah, c'est touché par une attaque physique. Ah ouais. Tête de fer à un max. Mais je connais la table des types. Sur la table des types, tu sais ce qui est marqué? Il y a marqué que neutre, c'est nul. Enfin, c'est fort, il y a un combat qui est fort contre neutre, et après le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre marqué. Je veux bien connaître la table des types, mais là, il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Tout, 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 neutre. Bah, normal, quoi. Type normal. Vous me comprenez? Parce que regarde, là, du coup, j'ai quoi? J'ai plante. Contre normal, bah, il n'y a rien. Bon. Bouloulou. Bouloulou. Vive attaque et il met moins. Et il me tue! Mais non, mais c'est bon là! Il me tue! Putain, j'ai même pas le temps de faire un truc quoi! Oh, ça y est! Non, mais ça y est! Implore, mais pourquoi c'est aussi fort? Parce que c'est deux meufs et que j'ai que des gars, moi, c'est ça? Arrête. Bon, vas-y, heureusement, ils ont que deux Pokémon, je peux m'en sortir, en vrai. Je peux m'en sortir, je suis bien, là. Je suis pas si mal. Vas-y. Mais pourquoi c'est aussi fort? Mais c'est quoi ce truc de con là? Implore. Juste parce que c'est des meufs et que moi nous, on a que des gars et je me fais défoncer, c'est ça? Je vais aller... Non mais je... C'est une blague? Attendez, implore. Juste parce que c'est des meufs et que moi j'ai que des gars genre. Implore est une capacité offensive de type normal introduite dans la troisième génération. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? C'est leur talent? Ça pète les couilles. C'est que cette capacité de con. Voilà, devient plus fort à chaque utilisation en continu.
Putain, j'ai perdu Cito. Cito. Putain, avant la main. Non. Oh, vas-y, c'est bon. Vas-y. On recommence, je m'en fous. Nouvelle partie. Alors, cette fois-ci, je vous le dis, je vais te mettre à moi. Ok? Moi, je veux faire... Je veux faire une team, là. Je vais être trop méta. Déjà, je vais prendre... Vous savez ce que je vais prendre? Je vais prendre Morpeko. Ok? Électrique, ténèbres. C'est bon pour vous? Morpeko. Tac. Ensuite. Ensuite, je vais prendre... Je prends Tarsal ou... Vas-y, non. On va prendre Kunotor. Voilà. Il est pas spectre. Après, moi, je lis ce qu'il y a marqué, hein, en vrai de vrai. Peut-être qu'il est spectre, je sais pas. Il y a Pomme aussi qui est pas mal. Tarsal, j'ai fait mon PV avec. Est-ce que si je prends Tarsal, c'est nul de prendre Morpeko avec? Parce que moi j'ai trop envie de prendre mes petits Pokémon. Mais le problème c'est que ça va être terrible parce que là... Ah, il prend qu'une seule place? Non. Oh genre, j'ai encore deux places. Tarsal c'est broken. Ouais ouais, c'est bon. Ça va être insupportable avec les types. Je vais pas savoir quoi prendre. Quoi jouer? Je vais prendre Pochijon. Le talent de Zigzaton. Ramassage. Est-ce que mon Pochijon il est cool? Cœur de coq, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais te prendre Pochijon, je peux ou pas? C'est bien ramassage, vas-y, je vais prendre Zigzaton. Ok, apprentissage du côté ténèbres de la table des types. Alors. Ténèbres contre ténèbres, c'est pas dingue. Électrique contre ténèbres, c'est... On va aller défoncer les évolis, vous allez voir. Vous allez voir, on va leur rouler dessus. Petite prédit, allez, petite prédit. Et puis on met, on peut mettre, tu sais, 5, 10, 15, je pense. Un truc comme ça. Ténèbres et musée psy, ok. Merci pour les piqûres de rappel. Aboiement. Aboiement sur Porpico, purée, j'ai hésité. Chien Chidoux. Ben non. Bon, je le sais voir. Regarde touchant. J'ai un Chidoux, c'est ciao. Muscle plus, encore une fois. Manglouton. Placer plein de reflets. Ça va up mon Tarsal, c'est ça que tu veux dire? Ça va up un truc chez mon Tarsal. En fait, des fois, je...
Des fois, j'aimerais bien avoir la définition des attaques sur lesquelles je suis, parce que je comprends pas. Ah. Et là, t'as toutes les informations, d'accord. Ça évite les attaques. Ok. On va peut-être pas risquer de mourir. Ce serait un peu relou. Et une pépite. Ah, ils t'ont mis, dingue. Dinguerie. Ça peut être utile, mais RNG. Ouais, ok. Ah, tant que ton Pokémon n'est pas retiré, tes buffs restent. Ok, putain, il y a plein d'infos là. Non, je veux pas échanger mon Pokémon. On peut peut-être essayer de faire un petit reflet. Oh, il a raté son attaque. Alors, si je refais un reflet. Ah, ça peut être pas mal ça. Tranquille, hein. On va pas, voilà, on va pas forcer après. C'est... Tranquille. Augmente de 10% l'influence de la nature d'un Pokémon sur ses statistiques cumulatif. Oh. Le jeu est méchant aussi. Ah non, mais le jeu est méchant. C'est fort de fou. Ok, vas-y, je vais prendre ça alors. Sans trop réfléchir, je pense que. Putain, j'ai cru que j'avais trois Knotters. Ils se ressemblent tous, mes Pokémon. Rose et âme. Check ses natures, alors. Lonely nature, apparently, met... Ah, vous avez oublié où. Oh, c'est trop triste. C'est là que vous voyez Lonely nature. Ah, c'est ça le talent, Ability. Quand le Pokémon est brûlé, paralysé ou empoisonné par un autre Pokémon, il partage ce statut avec celui-ci. Oh! Ok. Les stats. Ah oui, pardon. Ok, vous voulez voir d'autres Pokémon? Somari, Zigzaton, Lonely Nature encore. Parfois de ramasser les objets des autres Pokémon utilisés, il lui arrive aussi d'en trouver dans les hors des combats. Ok. Tax P8. À la fin de chaque tour, le Pokémon alterne entre ses formes. Ah oui, bah ça c'est bon. Ça dit brave nature. D'accord. Attaque 16. Ouh. Morpeko, il est pas mal, non? Morpeko, il est pas mal. Kenotor. Lonely nature encore. Ignore les changements des stats des autres Pokémon, il attaque ou soit attaqué. Attends. Ignore les changements de stats des autres Pokémon qu'il attaque ou soit attaqué. Genre. Ouais, go Morpeko, ouais, ok. Mais du coup, je lui ai mis là. C'est pas marqué en haut à gauche, c'est pour ça. Alors, ce que ça donne
Choc mental. Genre. Ah, ça c'est fait. Contre ténèbres, me semble-t-il. Ouais. Ok, quand tu joueras avec le Pokémon en question, tu verras l'objet. Alright. Ah oui, oui, c'est ça, oui, oui, ok. T'as raison, t'as raison. Pourquoi, comment, pourtant, on est les plus forts, mes Pokémon et moi. Hé hé hé. Augmente 20% de puissance et capacité de type fée d'un Pokémon. On prend la capacité surpuissance à un Pokémon. Une attaque puissante, mais qui baisse l'attaque et la défense du lanceur. De type combat. Plume enchantée, on portionne plume enchantée de notre côté ou pas là, parce qu'on a quand même un tarsal avec une plume enchantée. Super chanceuse. On part là-dessus ? Allez, c'est parti. Hop ! Dream. Non, je ne veux pas changer de Pokémon. Choc mental. Donc 30%. Vengeuse. J'alterne. Dream. Bécitrus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est 25% des PV qui sont inférieurs à 50%. On peut prendre ça, hein. On peut prendre une petite Bécitrus pour notre petite tarse. Est-ce qu'elle peut tenir deux objets? Ah non. Je ne crois pas, non. Dans ce jeu, c'est limité. Ils peuvent tenir plusieurs objets. Arrête. Ça va pas me supprimer la plume, hein. Attendez, parce que... 10 max, je crois. Arrête. C'est vrai? Ah! Ok. J'ai cru que ça avait supprimé la plante. Ok, ok. La plume. Parlons. Ok. Ok, merci. Augmente de 20% le gain de points exp. Oh, waouh! Huile max, respire tous les PP, d'accord. Super potion, d'accord. Charm XP, je pense que je vais prendre ça. Et ça, de toute façon, c'est un objet que je garde tout le temps, non? The Dream. Ah, Gwenaël, le breton. Le breton is back. Alors, comment ça se passe contre les vipelières? Je vais regarder. Ok. Et j'ai le mode psy contre plante. Il se passe pas grand chose. C'est pas très... Petit choc mental. Ah la tchouin. Ah la tchouin. Il est nul et moche. Et j'ai pas de mec pour le cramer le plante là. Attendez, je vais regarder parce que je vais mal choisir sinon. Électrique contre plante. Ah, c'est nul. Électrique contre plante. Ah bah oui, évidemment que c'est nul. Et ténèbres. C'est nul. C'est pas giga fou. Zigzaton. Ouah, je sais pas quoi faire. J'ai pas envie que mon Tarsal il meure, donc... En même temps, ils sont niveau 5. Un petit Zigzaton. Le seul truc pour lui, c'est sa vitesse. Il va me tuer, là. C'est ça, le problème. Oui. Petit Zigzaton.
attaque, jet de sable. Il va me tuer, voilà, super, merci. Merci pour la participation, en tout cas, que notor. Charge. Oh là là. Le combat de con. Oh là là. Oh! Oh! Mais Gwenaëlle! Ok, génial. Gwenaëlle, bah alors. Génial. Le move du joueur français, ce n'est pas très efficace, mais c'est suffisamment efficace pour te tuer, ma belle! Hop là! Hors de ma vue! Oh, il sort étourmi devant mon Pokémon de type électrique. Incroyable. Génial. Bonne chance à toi. Merci, Gwenaëlle. Rappelle-moi que ça peut être stylé, là, quand même. Hein. Après, on est au tour 8, à voir. Hein. Augmente de 10% les devs de base de son porteur. Ouh! Ça peut être stylé. Le zinc peut être stylé, le rappel max aussi. Bonne chance, toute l'équipe en béquille, je te jure. Quel bâtard. On est tour 8, on va avoir des petits boss. On peut ne pas s'en sortir. Hein. On peut gigatroll alors qu'on a 1400$ dans la poche. Moi, je vous propose déjà d'utiliser une potion pour ma petite Tarsale. Une deuxième potion pour mon Morpeko. Et puis, est-ce qu'on utilise un rappel max pour l'un des deux là? Pour l'un des deux, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas utiliser les deux. Quoique 500. Ça fait que 500. Hein. Pour ne pas terminer la run si tôt. Ton Tarsale, c'est pas mal, je crois. Ne sous-estime pas ton Tarsale. Ouais, je sais. Nos deux tours, ils revivent. Vas-y. Vas-y. Vous avez raison. Non, je change pas le Pokémon, je le défonce. Moi, le Roucoule, il veut quoi, lui? Voilà. Allez, dis-lui, Morpeko, dis-lui. Dis-lui, Morpeko. Encore, encore. Voilà, dans ses doigts, Roucoule. Ce stress de ouf. Gaoli, merci pour le 19e mois d'abonnement, let's go! Bienvenue! Oh waouh! La maxi pépite! Allez, Morpeko, un peu de heal. Imaginez, je revive pas et je meurs, je finis ma run avec 1000, avec 2000. Oh, c'est giga, ok. Oh, j'ai trop de chance. Attaque, éclair. Allez. Alors, c'est bon. Oh, et rugissement, t'es trop mignon. T'es trop mignon, piaf avec. Ouais. Let's go! On est trop bien là. En vrai, j'ai eu trop de chance sur les items. Morpeko, il est assez buff en vrai. Tarsale aussi, il a plein d'objets. On est trop bien. Mourir sur un Piafabec à d'autres, je te jure. La limite de niveau était augmentée à 16. Par contre, moi, je vais revenir sur mon Tarsale hein, parce que là, il faut que je le up en fait. Je t'explique. Je t'explique, mon pote. Vengeuse. Allez, choc mental. Div attaque. Oh, calme-toi tout de suite. Allez, on y va. Hypnose. Oui. Alors, hypnose. Moi, j'adore hypnose parce que quand j'étais petite, je gagnais des combats grâce à ça parce que j'endormais les gens, mais je sais pas si c'est vraiment fort en fait. Et en même temps, on a rugissement, donc bon. Le lanceur hypnotise la cible pour la plonger dans un profond sommeil. On remplace rugissement.
Un cri tout mimi pour tromper la vigilance de sa cible. Allez, c'est bon là. Sérieux, sérieux, sérieux. On n'est pas mimi, nous, on fait peur, ok? Dinguerie. Ok. 60% de précision. Ah oui, tu risques de rater l'attaque. Ouais, ouais. Bah ouais, mais bon. De toute façon, c'est pas comme si j'utilisais rugissement, en vrai de vrai. On va prendre les hyperboles, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mini-ange. J'ai pas envie qu'elle me tue, en fait. Attendez, je regarde, hein. Vol. Normalement, elle me tue pas. Je sais jamais laquelle peut être plus forte. Ah, mais celle-là, elle fait plus mal. Oh ouais. Ah ouais. Voilà, it hurt itself in the confusion, exactement. C'est bien, ça arrive pas qu'aux autres. Comme quoi. Comme quoi. Attaque, augmente d'un cran, attaque pour toute l'équipe pendant 5 combats. Je pense que je vais heal Tarsal. Et je vais prendre le attaque plus. Oh. À chaque fois, elles ont un prénom différent. Mais elles sont tout autant jumelles, elles me font tout autant peur. Je te prendrai un Pokémon de type feu là, moi je te foutrai le feu à cette forêt, je te le dis tout de suite. Hein. Bon, alors. Insecte. Feu, évidemment. Roche. Et vol. Tarsal va prendre cher. C'est vrai? Arrête! Donc moi je suis en défensif et je suis du type fée. Contre insecte. Ah ouais, psy par contre. Ah oui, insecte fort contre psy, exactement. On va peut-être la changer du coup, hein. Ah ouais, ça pue la merde, là. Après, je peux peut-être essayer de les endormir. De toute façon, je suis level 9 quand même. Hein. Je peux peut-être essayer de l'endormir. Hypnose sur Lumivol. Charge sur Lumivol. Oh non! Attaque à rater. Je prends de Murpeko à la place. Je vais. Je sais pas si j'attaque l'autre pendant que lui il dort ou si je. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout... sans doute attaquer le mec qui dort. Qui dort pas. Ah, Zigzaton attaque Mist. Quel con. Éclair. Sur Mussiole ou sur l'autre? Je sais pas si j'attaque celui qui dort ou celui qui dort pas. Celui qui dort pas? À la paix. Woke up. Oh non, non. Non. Ne t'attaque pas! Oui! Ah. Ok. Kunotor? C'est critique. Je vais quand même réessayer d'utiliser Tarsal pour endormir en fait. Hein. Éclair sur. Tarsal voit en jeu le clutch.
Tu penses ? Oui, Morpeko ! Alright, alright ! C'est bien, Morpeko ! Il est confuse et il attaque quand même ! Vengeuse. Voilà. Une folie. Tarsal, t'attaques quand même. Non, Tarsal, ne te blesse pas. Éclair. Bref. Putain, j'y croyais tellement pas. Let's go. Heureusement que vous êtes là pour vos conseils, parce que putain, moi j'étais perdu là. Tout le monde qui prend de la... du level. Tout le monde prend du level dans cette équipe. J'y croyais pas non plus, je te jure. We may have lost this round, but our bond remains unbreakable. D'accord, d'accord, les jumelles de cowboy là. Apprends la capacité grimace à un Pokémon. Lanceur fait une grimace qui effraie la cible et réduit beaucoup sa vitesse. C'est le Pokémon de type... comment est-ce qu'il s'appelle ? Ectoplasma, qui a cette capacité, il me terrorisait quand j'étais petite. Il me terrorisait. Allez, ciao, le trouble, the trouble. Hors de ma vue. Bon, du coup, il y a Zigzaton qui est mort. Mais en vrai, il a jamais été clutch, donc de toute façon, on s'en fout un peu, je crois. Et on va peut-être utiliser une potion pour Morpeko. Il faudra peut-être qu'on capture un Pokémon en vrai de vrai. Voilà lequel on va capturer. Je vais peut-être changer de Pokémon. Peut-être. Choc mental. Genre lui, OMG. Genre ça passe. Genre ça passe. Alors, il a de l'attaque, l'attaque spé. Par contre, il a très peu de défense, c'est beaucoup de vitesse. J'ai un Pokémon préf, je crois que c'est Osley. Parce que son histoire, elle est trop mignonne. Enfin, elle est triste, mais mignonne. Lanceur aspire la force vitale de la cible par un baiser qui rend au lanceur un nombre de PV supérieur ou égal à... la moitié des dégâts infligés. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Hein. On aime vampiriser nous pour Tarsal. Parce que du coup, elle peut vachement se heal quand même. C'est pratique. Hein. Une des meilleures attaques. Ah! Vengeuse moins fort, c'est vrai? N'échoue jamais, ça c'est pratique quand même. Hein. J'enlève Vengeuse? Broken du cul, mon fils baiser, ok, ok. Salut Zuki, salut, salut! Vas-y, on peut enlever Vengeuse. Est-ce qu'on a besoin d'une potion là-dessus? Oh ouais, pourquoi pas pour un petit rocabot. Death spé. Bon, écoute... t'auras plus à acheter des popos. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Je pense qu'on va prendre une potion pour lui. On va le capturer lui, je crois. Hein.
Mince. Flûte. Ouh, lunettes noires. Et... capacité de type ténèbres, on a Morpeko. Et ténèbres, je crois. Me semble. Merde, Ferro-Singe, c'était pas mal. Vous en dites quoi? Tarsal, lunettes noires pour Morpeko. Vas-y, lui, là. Vas-y, sa grosse tête, là. Oh, merde! Vampi baiser, ça marche ou pas? Attendez. Attendez. C'est quoi, lui, Xelang? Pourquoi c'est aussi fort? Il se heal tellement, Tarsal. Moi, je gagne pas de PV? Oui, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a, mon babes? Hein? Viens. Tu viens sur les jambes de maman? Mmh. Vous avez vu comme elle vient tous les midis? Parce que Kalem, en fait, s'enferme dans la cuisine. À chaque fois, je vous le dis, mais... Elle s'enferme dans la cuisine pour faire à manger. Elle a trop le seum. Du coup, elle miaule. Elle vient me voir en mode... Mais je suis toute seule. Et le seum. Mmh. Et vas-y qu'elle attaque le clavier, et vas-y que... Et vas-y que j'attaque le clavier... Oh, rappel max, on est au tour 16. J'ai pas compris. Elle a tué le roi de la nuit. J'ai pas compris, je crois. Ah! Putain, heureusement que j'ai vu, hein. Heureusement que j'ai vu. Espèce de spoileuse. Ok, alors. Oh! Pardon. Non, non, non! J'ai mis ce clic! Non! Ok. Alors la question c'est, est-ce que j'ai besoin de Rezigzaton? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mais la question c'est, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Pokéball non, parfum non, on s'en fout. Bah écoute, je vais prendre une potion, voilà, je vais prendre Tarsal. Hop, et rappel max. Alors y'a PTSD, je te jure. Elle est trop mips. Rappel max, Zigzaton, voilà, comme ça il va prendre des petits XP. Miaou, est-ce qu'on le prend toujours ou est-ce qu'on on le laisse? Et vous changez votre Pokémon? Non. Tarsal flinched. No, 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 ma biche. Ma biche. Tu me fais peur là. Miaou, OP. Vas-y. Oh, nice! Beaucoup de défense du côté de Miaouss.
Dommage, ramassage. Encore des trucs stylés ? C'est pas vrai. Augmente de 10% la vitesse de base de son porteur. Plus les IV sont hauts, plus il peut en porter. Est-ce que Tarsal, il a des... C'est quoi technicien pour Miaouz ? Qu'est-ce que ça lui fait ? Il tape fort. Ah ouais. C'est, il y a marqué ça dans la définition de technicien, genre. Il tape fort. ok, alors la question c'est est-ce que je donne carbone à Tarsal par exemple ? Vitesse, il a 17 de vitesse. Je sais pas trop quoi faire. Ça up la puissance des attaques qui ont moins de 60 damage. Oh, ok. Oh, trop classe. Ok, ok. Stylé. Sur Morpeko le... Ok, Morpeko, vas-y. On va quand même prendre une petite potion pour Miaouz, on sait jamais, et une petite potion pour Tarsal. Carbone sur Morpeko. Cette tête, mais le clip est incroyable. Putain, j'ai même pas vu, moi. J'étais en train de game. Vous allez vous moquer de moi, mais j'ai encore envie d'aller pisser, quoi. Mais c'est... Parce que j'arrête pas de boire. Vas-y, j'arrive. Mais j'arrête pas de boire du holy. Putain, trop relou. N'hésitez pas pour l'exclamation holy, bien sûr, si vous aussi vous voulez boire du holy. Changer de Pokémon, non. Petit choc mental. Du côté de Zigzaton. Petit choc mental. J'aurais peut-être dû faire Vampy Baiser en vrai. Si vous aussi vous souhaitez pisser chaque minute. Terrible. Putain, j'ai que des trucs bleus stylés en vrai, hein. C'est un truc de fou. Alors, si j'ai pas de Super Ball dans mon inventaire, en vrai ça peut peut-être être clutch pour certains trucs, vitesse plus. En vrai, vitesse plus, ça peut être mimi, hein, surtout pour les fights là. Peut-être qu'on aura un fight bientôt. Ça, je m'en fous, ça, je m'en fous aussi. En vrai, c'est bon, hein, vitesse plus, peut-être c'est sympa. D'un cran. C'est pas dingue non plus. Hein. Je sais pas. Oh, le PTSD, encore elle. Get ready, because when we team up, it's double the trouble. Oh là là. Ah, double fight dit double XP, oui, oui, bien sûr. Oh là 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 là, le PTSD. Pff, ok, attendez, 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 on a tous des doubles trucs, donc je vais devoir regarder. Pff. Ok, alors Morpeko, Morpeko. Donc en face, il y a plante. Contre insecte. Il n'est pas fait, non. Ok. Bouloulou.
Attendez, je vais juste regarder ce qui est fort pour... En tant que plante, qu'est-ce qui est fort? Est-ce que plante est fort contre ténèbres? Non. Est-ce que plante est fort contre électrique? Non. Est-ce que plante est fort contre... Si. Non plus. Contre fée, non plus. Ok. Et fée... Est-ce que c'est fort contre ténèbres? Ah! Ah ah! Ok. Et fée, c'est faible contre... Acier... Poison... Et c'est tout. Morpeko, pas dingo, comme on dit par ici. Haha. Haha. Gepito, merci beaucoup pour le 5e mois d'abonnement, let's go. Je vais sans doute faire un petit vampi baiser du côté de Doudouvet. Comme ça, j'aurai une chance peut-être de refaire venir mon Morpeko. Et Morpeko, tu vas dégager de là, mon pote. Je ne sais pas contre qui tu vas être, mais... Et est-ce que Sol... Bon, désolé, c'est long, hein, mais j'apprends. Oh là là, Sol, c'est nul contre plante. Petit miaous, vas-y. Send out. Miaous. Hey, Empibisé, c'était trop fort contre Doudouvé. Et attaque, je pense qu'il va faire bluff. Bluff une fois seulement. Contre Chlorobulle, parce que Doudouvé risque de crever en vrai. Ok. Ouh, elle a eu peur. Ok, vampi baiser contre Chlorobulle. Et griffe contre Chlorobulle. Oh là là! Mais c'est du professionnalisme ce qui vient de se baser. C'est quoi jackpot? Des pièces sont lancées sur la cible qui permet d'obtenir de l'argent à la fin du combat. MDR, oh, c'est bien ça contre rugissement. Une attaque capable de toucher une cible qui utilise une capacité similaire à détection ou abri et annule l'effet de cette capacité. Ok. Vas-y, contre rugissement. Hein. J'aime bien la capacité de jackpot, elle est géniale. Tu lances des pièces sur la cible, mais ça va pas, quoi. Imagine, t'es en plein combat de rue et tout, tu... Hop là. 20 centimes par là. Miaou utilise sub T3, putain, trop drôle. Ok, on a battu une deuxième fois les jumelles, mais je suis trop émue. Dépit. Le lanceur exprime son ressentiment en retirant 4 PP à la dernière capacité utilisée par la cible. Wouah. Wouah. Ça, c'est fort, hein. C'est fort, non? Je trouve le principe trop stylé. C'est fort, jackpot, tu gagnes vraiment de l'argent. Ah bah, je te crois. Je vais gagner un max de thunes. Pokéball ou Will Max? Will Max. Je sais pas où est-ce qu'on en est par rapport au... Mais bon, il y a de l'huile à disposition tous les tours. En vrai, c'est ok. Dipi nul. Ah ouais? Vous êtes ça? Je vais sans doute aider mon petit Arsal. 4 sur 10 pour Vampy Baiser, tu vois, en vrai. Hop. Ah, mais qui êtes-vous? Un seul lourdeau trop mignon. Niveau 15? Eh? Est-ce que j'ai confiance? Bah, en vrai, attends, je suis au boss. Mais je vais le laisser. C'est bon, je vais me faire heal après. Il a regagné des PV, il a gagné un PV. Non, c'est ok, en vrai c'est ok, c'est pas si grave. Oh, miaous. Comme ça, je vais utiliser jackpot.
Nickel. J'ai attaqué un PV, mais oui, je sais. Ouais, c'est pour ça que j'ai rien repris. Mort Peko ! Éclair ! C'est nul. Je fais n'importe quoi. Mais vas-y, on est au tour 20. Je vais en faire qu'une bouchée de ce Pokémon. Un saut lourdeau et quoi encore ? Allez, on y va ! Ah oui, petit bluff, c'est vrai, vous avez raison. Et là, du coup, on gagne des thunes ? Dites-moi qu'on gagne des thunes. $70 ! Je croyais que j'allais gagner du lourd, là. Métropole, on est en métropole. J'aime pas trop la musique, elle me rend stressée. La dernière fois, j'ai pas été plus loin que ça, je crois. Ponchio. Moi, les Pokémon de type normal, ça me stresse, en fait. Je me rends compte. Putain, j'ai pas de Pokémon de type combat, quoi. Au-dessus du nom du Pokémon ennemi, il peut y avoir une Pokéball colorée, ce qui veut dire que c'est déjà le Pokémon avec le même talent. Pokéball grisée, qui veut dire que tu as le Pokémon, mais pas avec le même talent. Oh, ok, merci pénible. Go Rockabot, vas-y. Rockabot, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Charge. Go Rockabot ? Mais je vais me faire défoncer. Ah, il a morsure. My man. Non, mais tranquille, après, tu sais, c'est pas grave. Waf. Waf, waf. Miaous. Bluff. Oh, je l'ai défoncé. Téléporte. Permet de changer une place avec un autre Pokémon de l'équipe s'il y en a. Quand cette capacité est utilisée par un Pokémon sauvage, celui-ci fuit le combat. C'est nul. C'est nul, non? Qu'est-ce qu'on en pense de cette capacité? Dites-moi. C'est un peu à chier, je crois. Hein, me semble-t-il. Ok. C'est Gezou. Je pense que dans ce contexte-là, effectivement... Oh, il y a déjà plus d'items qu'on peut acheter, le Dream. Touté. Touloudoulou. Toutou. Hé, hey, super potion pour $180. En vrai, on est bien, on a $1900. Incroyable. Le beau salaire. Augmente l'attaque et si les PV sont inférieurs à 25%. D'accord. Petit bonbon. Bah ouais, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de heal? Putain, Rockabot. Rockabot, paix à ton âme, hein. Je crois qu'on va te renvoyer chez toi parce que là... Je vais certainement pas utiliser $800 pour toi. Ratentif. Voulez-vous changer de Pokémon? Je sais jamais quoi utiliser contre les Pokémon de type normal. Oui. Un petit Tarsal? Un petit Tarsal? Je sais pas. Tu peux garder Miaouss pour les petits rounds. Tu penses? Bluff jackpot. Ouais. Arrête de ouf.
Oh, je vais me faire des thunes. Griffe. Oh là là, le combo exceptionnel. Combien de thunes? Le raton, combien j'ai gagné de thunes. Implore, oh waouh. Le lanceur s'approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l'objet qu'il tient. Mais c'est dingue de faire ça. On peut à la place de Mimi que... ou rugissement. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de diff. Hein. $80. Maxi pépite. Octroie une moyenne somme d'argent. 1000 Pokédollars. C'est tellement énorme. Évidemment que je prends la maxi pépite pour rigoler ou quoi. Ouah, j'ai 3000 de thunes. Jackpot avec Miaouss et Griffe. Oh, le combo de fou, ça marche tellement bien. Miaouss, je suis en train de le up là, laisse tomber. Toutin, toulouloulou, boum boum. 80 Pokédollars, encore une fois. Désert baf. Le lanceur sujet des hautes herbes pour attaquer la cible, les mouvements agiles du lanceur augmentent sa vitesse. Plante. Puissance 50. Ok. Touta. Poupou. Touta. Je sais pas si je peux enchaîner les jackpots sans doute. Hein. Rocabot. Salut Tiga. Je sais pas quoi faire. Désert baf ou alors super bonbon sur Tarsal, parce que depuis tout à l'heure elle joue pas au jeu. Un petit super bonbon sur Tarsal peut-être. Hein. Voulez-vous changer votre Miaouss? Ben... Écoute, non. Tarsal peut-être. Non. Hein. Miaouss. Attaque. Bluff sur Ponchio, je pense. Et Tarsal, elle va hypnoser Zigzagoon. Tarsal flinched. Ah ouais. Ah merde. Je vais peut-être envoyer Tarsal à la maison là. Jackpot sur Ponchio. Et Pokémon sur Tarsal. On peut peut-être envoyer un petit Morpeko. Allez, ça part. Morpeko, alors attention, éclair, est-ce que ça va fonctionner contre Zigzagoon, contre Ponchio? Voilà. Comme ça, il n'y a plus de Ponchio qui tiennent. Morpeko, vive attaque. En vrai, oui, pourquoi pas. Parce qu'on a gros yeux. On fait les gros yeux à sa cible pour l'intimider et baisser sa défense. Baisser sa défense. On peut enlever Mimique, je pense. Je sais pas s'il y a une différence d'efficacité entre les deux en fait, je sais pas comment est-ce qu'on sait ça. Vive attaque, c'est pas mal. Bougissement, mais il est trop mignon, Zigzagoon. Je vais encore utiliser Jackpot. Et je vais utiliser Éclair, on va voir ce que ça donne. Vive attaque est prioritaire, ouais.
Mais pourquoi implore c'est aussi fort? J'ai du mal à capter. Je vais utiliser bluff. Et éclair. Mais cela échoue. Ah mince! Et parce que bluff, je l'ai utilisé sur le poncho, donc c'est pour ça que je me suis dit. Ça marche pas? Je suis un peu deg. Bluff, c'est que le premier tour de Miaouss. Ah, ok. Oui, parce qu'après, il se rend compte qu'il est plus, il est pas aussi... Ok, je comprends. Je capte. You picked combien? 200? Eh, The Dream, là, mais je me fais des couilles en or, là. C'est quoi, ce Dream, là? Ok, bon, bah, Miaouss est mort, par contre, donc je vais peut-être le reste, parce qu'on est au tour 24, et Miaouss, il est pas malin. Tu actives pas l'option retry si jamais tu perds un combat et que tu veux le réessayer? Ah non, non, je savais pas que ça marchait ça. Je savais pas que ça... C'est cheaté de faire ça. On va réa Miaouss. Et je vais le heal. Et on va le heal. Par salve. Voilà. Et on prend la maxi pépite. Hein. C'est de la triche, ouais, c'est de la triche. Honnêtement. Non? Allez, Gwenaël! Putain, Gwenaël, je vais encore perdre ton... Allez, tour 25! Oh non! Pas celle-là! Oh non, pitié! Zigzagon! Bon, attends. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui est fort contre plante? La même chose que tout à l'heure, hein. Feu, glace, insecte, poison et vol. Ciao Zigzagon, ciao, ciao. Implore, ça peut marcher, non? Désolé, j'ai pas donné cher de ta peau. Waouh. Ok. Doulou. Je peux quoi faire là? Miaouss bluff. Essaye de trouver un mini-ange. Mais je suis en plein combat là. Bluff. Et là c'est le malaise parce que il va se rendre compte que je suis niveau 14. Jackpot. C'est quoi déjà ruse? Qu'est-ce que c'est ruse? Ruse. Il y a R. Non mais on va d'être ça, Pitié, donnez-moi les capacités de Miaouss. Attaque. Bluff, ruse. D'accord. Une attaque capable de toucher une cible qui utilise une capacité similaire à détection ou abri. Ah, c'est nul. Attaque à travers une défense. Ah. Mais elle s'est pas défendue là. Jackpot, allez hop. Oh! Griffe, c'est peut-être plus rapide. Griffe. C'est quoi? Je mange après en vrai. Alors, Miaouss c'est décédé. Hein. Oh le bide. Ah, c'est peut-être une attaque prio. Pff, vas-y, Morpeko là. Morpeko, tu. On est d'accord? On est d'accord, ma puce? Tu le défonces? Tu le défonces? Arrête. Arrête, Morpeko. Vive attaque. Oh, j'aurais dû faire ça!
Ok. Il s'est endormi, mais du coup, il a gagné tous ses bébés. J'ai eu peur. Putain, j'avais fait un coup critique, c'est exceptionnel. Encore en train de dormir. Oh, la capacité de con, incroyable. Woke up, évidemment. Bon, voilà, c'est la mort de Borpeko. Oh, pas tout de suite. Ok, let's go. Vive attack. Ok. En vrai, il y a moyen. Il va encore s'endormir, il va encore utiliser sa capacité pour se restaurer. Maman. Bon, pubiser à balle. Tu penses? Vas-y. Allez, on y va. Alors, hey, Tarsal niveau 17 quand même. Allô? C'est qui ce truc? Gouroutan? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah si! Moi je fais exprès de m'adapter, je regarde mon tableau mon tableau et après tu changes. Mais mince alors! Boulou! C'est fort Gouroutan, bah, je te crois sur parole. Mais je crois que Morpeko il peut être fort contre lui, mais je crois que Morpeko il est mort. Oh, c'est un fou furieux lui. Bon vas-y hypnose, on essaye peut-être de l'hypnotiser. Comme ça il dort. Et après je peux le battre. Yes! Il est encore en train de dormir, let's go. Allez, 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 allez. Mais il est fou lui, il est fou! Allez, prends des PV. Vas-y! Vas-y! Il a rien repris comme bébé. Oh si, peut-être, on l'a pas vu encore. Rafale Psy, oh ça peut être pas mal ça. Un étrange rayon frappe la cible, ce qui peut aussi la rendre confuse. Ah, c'est genre choc mental mais en mieux, c'est ça? J'ai l'impression, hein. Winton version Pokémon, je te jure. Bah vas-y, je vais le remplacer par choc mental alors. C'est exactement la même chose, c'est juste plus fort. Ok. Trop bien. Oh trop bien, il a regagné de la vie. Il est encore en train de dormir? Woke up? Plénitude? Ok. Ok. Allez. Oh madame, arrête! Arrête! L'évolution de Tarsal! En Kirlia! Incroyable! Trop bien! Oh là là, ça rend trop heureux. Alors toi, on en était où déjà? Repos, encore une fois, c'est pas possible. Ok, je vais pouvoir gagner là, je pense. Allez, vampibiser encore.
Oh ouais, garde voir, le jour où j'ai garde voir, franchement, je suis trop heureuse. Ok. Gwenaël. Alors, coup de boule. Le lanceur donne un coup de tête à la cible qui peut aussi l'apeurer, 30% de chance. On peut l'utiliser à la place de rugissement. Allez, c'est parti. Oh là là, quel bonheur. En plus, il y a mon... Waouh, Tercel qui a évolué, ça c'est pour me faire plaisir. Oh, je crois que j'ai pris trop la confiance, pas grave, c'est ok, je me doutais que ça arriverait. Oh, dream, Gwenaël, mais jamais je t'ai battu, mais jamais j'ai été aussi loin. Oh là 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 là, let's go. Encore multi-exp, j'en ai deux. Reste. Soigne à chaque tour. D'un Pokémon. Un 16ème des PV max. Excusez. Augmente l'attaque SP si les PV sont inférieurs à 5. MG les restes. C'est trop fort. Ah ouais? Incroyable les restes, les restes. Ok, ok, ok. Attendez, parce que là, du coup, il faut quand même que je heal mes potes. Hein. Oh! La gueule de l'équipe! What? Ok. Alors. Je pense qu'on va utiliser de la... On va utiliser des rappels, je crois, là, hein, pour rappeler, par exemple, Morpeko. Et rappeler aussi Miaouss. Et potion, c'est quoi? C'est 20 PV. Là, c'est bien pour Miaouss. Et là, c'est bien pour Morpeko. Ok, et pour le reste, est-ce qu'il y a d'autres potions à utiliser? Non, je pense que Rocabot et Zigzaton, je pense qu'on peut les oublier en vrai de vrai. On va peut-être essayer de capturer d'autres Pokémon. Et les restes, je mets les restes sur Kirlia. Ouais. Ouais, je suis bien là, ouais, je suis bien. Kirlia, du coup. Poupoulou, poupoulou. Bon, vas-y, au pire, si on veut changer, on pourra changer. Chaglam. C'est bien d'avoir des Pokémon comme sacrifice pour être safe quand tu envoies Pokémon. Oui, c'est ça, c'est vrai. T'as raison. Les sacrifices. Chaglam, elle me fait peur. Est-ce que je devrais avoir peur? Je sais pas. Oh! Ah, j'ai plus de PP! No way! Rafale Psy. Est-ce que lorsqu'on capture un Pokémon, on a quand même le choix entre trois objets à la fin de la... du tour? Il me semble que oui, hein. Salut Gaëtan! Ça va? Oui, ok. Bah écoutez, je vais capturer Chaglam. Histoire de le remplacer par Zigzaton. Parce que Zigzaton quoi. Allez. Oh ouais, les restes, c'est pas mal. Casse-brique. Alors qu'est-ce que c'est? Le lanceur attaque avec le tranchant de la main, permet aussi de briser les barrières comme mur, lumière et protection. Ok. J'ai peut-être besoin de prendre des Pokéballs, hein. Et je vais donner de l'huile à Kirlia pour son Vampibès, bien sûr. Très bon ça, c'est vrai? C'est une gym alors. Morpeko et Abro. Teach. Gros yeux. Gros yeux?
Gros yeux. Arrogance, ivre de puissance, le lanceur attaque de toutes ses forces. Plus ses stats sont augmentées, plus les puissances sont augmentées. Ouais, gros yeux. Je sais jamais, fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas grand-chose. Tu peux casser les murs de défense sur mieux de lumière. Ouais, j'avais lu. Non. Attaque. Rafale psy, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours peur de me faire one shot. Genre vraiment, c'est une peur que j'ai. Genre, je suis en mode, wow, imagine, je me fais one shot. Parce qu'après, faut payer le rappel et vas-y quoi. Non, je suis stressée. Hein. Oh, Miaou speak up reste. Vous avez lu? Ah, il t'a volé tes restes? Non, c'est vrai? Oh le bâtard! Ah, mais Miaou l'a récupéré, je crois. La chance! MDR! Elixir max. Tous les PP à toutes les capacités d'un Pokémon. Oh! Ça peut être pas mal ça peut-être pour Kirlia, en même temps je vais utiliser une mille juste avant, mais bon en même temps est-ce que c'est vraiment si important potion. On va peut-être en utiliser une sur Shaglam, 14 200. Attendez, fast math, ça fait 18, ça fait 186. Ok. 88. Elixir max, alors voyons voir. J'aimerais beaucoup voir les résumés des gens. Si je fais genre ça, se marier. 9 sur 10, 19 sur 20, 15 sur 20, 18 sur 20, ça va. Pas nécessaire, hein. Toi par exemple, 25-25, 15-10, ouais. Kenotor, Miaous, 32 sur 35. Ah, à la limite ça peut l'aider lui. Je vais voir les autres trucs, je me souviens plus. Potion, potion, on s'en fout. Non, écoute, Elixir Max sur Miaous, hein. Venez aiguiller l'affliction de la résumé. Ah, my bad. Oh non, le casse-tête. Oh, le casse-tête. Des doubles types. Oh. Ah. Ah, 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 ah. Alors, je passe mon temps à faire ça. Alors, type offensif, on est sur du fée de mon côté. Ténèbres x2. Hey, ma biche, c'est vrai ça? Alright, je fais ça passe. Non. Enfant du soleil, tu parcours la terre de ciel. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour la nuit avec tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or à Esteban Ziatao, les cités d'or. Ouais. Salut Emrou, merci beaucoup pour le 19e mois d'abonnement, comment tu vas? Comment ils vont? Miaous, écoute... Ouais. Est-ce que je le change, Miaous? Non! Fuck it! On utilise un truc de type fée. Sur. Je sais pas lequel me fait plus peur entre les deux, mais les deux me font peur en fait, j'ai l'impression. On va utiliser celui qui est le plus high level, puis voilà. Bluff. Sur. Morpeko.
Par contre, si ma Kyrelia meurt, j'ai trop le seum. Fontaine de vie, qu'est-ce que c'est que ça encore? Waouh! Elle a des capacités à chaque tour, c'est un truc de ouf. Le lanceur projette une eau mystérieuse sur le terrain pour restaurer ses PV et ceux de ses alliés au combat. Attendez, mais restaurer, ça veut dire restaurer? Ça veut dire en entier, genre? Un quart. Ah, ok. Je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que je peux en faire de cette capacité? Parce qu'en soi, j'ai déjà Vampy Baiser qui me heal personnellement. Je sais pas. Au lieu de reflet en vrai. Tu penses? Vas-y. Miaouss veut apprendre morsure, avec grand plaisir mon cher Miaouss. Alors la question c'est parmi laquelle des capacités? Parce que Ténèbres tu peux pas l'utiliser contre tout le monde, donc ça peut être un peu piégeux. Donc je me dis on peut peut-être l'utiliser à place de ruse. Ah! À place de griffe? Vous pensez? Poulou. Poulou. Moi je veux bien la place de ruse. Hein. Ah, ruse est une attaque de haute priorité. C'est vrai. J'ai une cible, une capacité similaire. Ah. Vas-y. Ah, griffe, c'est un jackpot sans jackpot, donc Osef. Ouais, ouais, ok, je vois. Merci Lord Chim. Donnez-moi de la thune! C'est vrai ça? Wouah, Malos, on l'a défoncé. J'aurais peut-être pu le prendre, Malos, en vrai. Ténèbres feu, mais bon. Qu'est-ce qu'il a pick up, Miaouss? J'ai pas vu. Ok, on n'a pas besoin de potions. Oh non. On est tous bien. On va peut-être soit précision, soit. Ah, il a récupéré une baie. Ok, je vois là. On le voit en gauche. Ouais, ouais, je vais le voir. On peut peut-être. Doubler les chances de tomber sur un combat double. Je me dis. Comme ça, on XP encore plus. Vas-y, petit parfum. Je vais regretter ce que je viens de faire. Je vais tellement regretter. Non. Non plus. Je pense que Miaouss, c'est pas si mal. Capsule pour le boss, ça ouais, j'aurais pu, c'est vrai. Ça va aller, ouais, j'y crois. On va essayer de les endormir, parce que moi ils me font peur. Et on va bluffer celui que j'ai pas dodo. Allez! Ok, Vampy Baiser sur le Zigzaton et Jackpot sur le Zigzaton. C'est fort, Jackpot, hein? Mimiqueux! Trop mims! The Dream! Niveau 17. Parfait. C'est bien. C'est fou qu'elle regagne des PV à chaque fois, mais qu'est-ce que... C'est trop fort! Jackpot? Oh, bon chien, il dort encore! Oh la loose. Imagine tes bons chiens MDR. Imagine tu t'appelles bon chien. Kyrelia intuable maintenant. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Elle est tout le temps en train de regagner de la vie quoi. C'est un truc de dingue. Oh no way. Bidouf le banger.
Arrête. Il a encore plus une tête de con qu'avant, c'est parfait. Cependant, Castor nous connaît déjà 4 capacités. Pistolet à eau, mais arrête. Ah, c'est bien pistolet à eau, ça va être sympa. Alors, 40 de puissance, pardon. Castorama, let's go. De type eau, ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, il est normal et haut, ça c'est vraiment bien. Ça peut être toujours très pratique, une capacité de type roche. Le lanceur s'enroule pour cacher ses points faibles, ce qui augmente sa défense. Coup de boule, coup de tête, lanceur charge la cible et percute de tout son poids. Charge, on s'en fout, non? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Que d'auteur. Il a encore ramassé une baie, mais c'est trop pratique. Mais tout le monde est full HP, mais c'est banger ce qui est en train de se passer. On va utiliser Def Spé Plus, je pense, voilà. How are you feeling about this battle? Championne d'arène, machine. Putain, tu t'appelles machine? Ça doit être acier ou un truc comme ça. Machine. Électrique. Électrique. Allons-y. Alors, type défensif. Chlouk, chlouk, chlouk. Sol. Ah, le seul qui est mort de ma team, c'est le Pokémon de type sol. Regardez, Rocabot. Bon, après, il est niveau 10. Hein. Enfin, franchement. Après, je vais me faire heal après ce combat. Ah oui, il reste. Ah oui, sur la paix de Meowth, ouais, j'avais pas vu. Ok, ouais. Ok, ok. Il est roche. Ah! Ah oui, d'accord, donc j'ai même pas de Pokémon de type sol en fait. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est trop mignon en Pissadou, en Pibidou, en Pibidou! Oh, mais c'est quoi ce Pokémon trop mignon? Attendez, à chaque fois je regarde mon... À chaque fois je regarde mon petit tableau. Casse-brique. Touché par la capacité casse-brique. Ce n'est pas très efficace. À d'autres. Vive attaque, ouais, bah ouais, sinon je meurs, de toute façon. Il se charge en électricité, mais c'est quoi en Pibidou, là? C'est quoi ce Pokémon horrible? Expliquez-moi! Je souhaite une explication! Oh my god, il est so tanky! Chagrama! Oh, la capacité de type vol! Peut-être hypnose, si j'arrive à caler une hypnose. Capture! On est en boss. Je peux pas le capturer. Hypnose, si j'arrive à caler hypnose, ça peut être stylé. Hein. Super. Attendez, je regarde un truc.
Griffe. Aéropique, ça a 62 puissance quand même, tu sais, je me dis, est-ce que c'est quand même nul? Oh! J'arrive à dodo tout le monde! Aéropique, ça a pas très très bien marché, faut voir si griffe ça marche bien. Oh non, woke up. Pétasse. Pétasse. Est-ce que bluff, ça fonctionne que au premier tour de Miaouss? Mais si le mec en face, il change de Pokémon, si c'est un nouveau Pokémon, ça fonctionne à nouveau? Ou ça marche que au premier tour de Miaouss? Est-ce que ça marche sur un nouveau Pokémon? Premier tour Miaouss seulement. Ah ok. C'est le pire truc. Ok. Il est en train de dormir. Il dort. Attends. Attendez. Ok, attaque de ténèbres contre ténèbres. Putain, mais je lui fais tellement pas mal. Encore morsure ? Rusprio. Let's go. Oh là 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 là, le stress. Ça va pas, oui, non mais oh. Ah merde, c'est pas fini. Le lanceur provoque la cible, ce qui oblige celle-ci à n'utiliser que des capacités qui infligent des dégâts pendant 3 tours. Je vois pas à quel moment c'est utile ça. Piou ! Putain, on a eu chaud hein. Oh, le one-shot Tarsal là, il m'a fait peur hein. Oh là 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 là. Provoque, c'est un peu nul, non ? N, ça veut dire non implanté dans le jeu, donc prends pas. Ah bon ? D'accord. Oh, faut le savoir ça. Oui. Arrêtez d'apprendre provoque bien sûr. Dis donc, ils veulent en apprendre des choses hein, dans la vie là. Le lanceur mord l'ennemi à l'aide de ses incisives aiguisées peut aussi l'apurer 10% de chance. Power 80, curacy 90. Alors... croque de mort. Je suis mort. Qu'est-ce que j'avais dans l'œil, moi? Wesh, dinguerie.
trop bizarre. Alors, par quoi je le remplace, le petit croque de mort, là? Peut-être boule armure, non? Coup de boule meilleur. Ah ouais? Ouais. Ok. Oh, on peut rester comme ça, hein, c'est bien. Hein. Moi, je crois que... arrêtez d'apprendre croque de mort. Oui. Qu'est-ce qu'il a ramené? Oh, coupon œuf! Oh, let's go! Ouais, et je lui ai volé un aimant aussi. Putain, mais Miaou, c'est un petit voleur en fait. Augmente de 20% la puissance des capacités de type électrique d'un Pokémon. Oh, c'est trop bien! Super! Encore un super charme. Non, j'ai pas appris Croque de Mort, non. Croque de Mori! J'ai jamais été aussi loin dans le jeu là, what the fuck. Il y a toujours la prédiction, hein. Toujours la prédiction qui est en cours, quoi. Ah oui, gagnant 30 plus, bah GG, hein. GG les gagnants de la prédiction. Voulez-vous changer votre Pokémon? Alors, est-ce que je veux changer mon Pokémon? Non. Jackpot. Tu vas pas me tuer mon miaouche quand même. Attendez. C'est pas ça que je voulais savoir. C'est type ténèbres offensif. Ah non, ok. Morsure. Kyria ! Sors-nous de cette situation, je t'en supplie. Attends, est-ce que le type fée fonctionne ? Ah bah oui, oui. Eh hey, mais tu pars, mais tu pars. Eh hey, oh oh. Waouh 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 waouh. Wow. Le stress. T'as jamais été aussi loin. Quand on va perdre, je vais être triste, hein, parce que putain. Oui, il y a des déchets. Sandalores. Aromate bizarre. De la nature bizarre moins un Pokémon et débloque le starter lui étant lié. D'accord, 5 Super Ball. Augmente d'un cran le kit. 20 PV, 20 PV ça commence à être un petit peu light, hein. 50 PV c'est peut-être un peu nécessaire là. Ouais. Pour notre cher Kyria aussi. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, transfert. Parce que Miaouss, il me semble qu'il a ramassé un aimant qui peut grave aider Morpeko, en fait. Voilà. Morpeko, en vrai, il est cool, là. On va sûrement prendre soit ça, muscle plus, soit Super Ball. Peut-être Super Ball, hein, plutôt. Bidonville. MDR, bidonville. Vous voulez où changer Kyria? Attendez, je dois avoir un truc, là. Ténèbres. Les attaques de type psy contre les ténèbres, ça ne marche pas. Et par contre, les fées, c'est assez fort, donc. Non. Changer Chaglam. Oui, on peut peut-être prendre un petit Morpé Kix. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Je vais regarder ténèbres contre ténèbres, ça se passe comment? Ah oui, c'est pas fort. Et je vais regarder électrique contre ténèbres. Ça se passe pas grand-chose. Non, mais écoutez, on va laisser que Chaglam, je crois. On va utiliser du coup une attaque de type fée contre le moufouette. On va utiliser une attaque de type hypnose contre le ratentif. Parce que sinon, on va crever. Il va pas attaquer, mon petit Chaglam. Oh, mais arrêtez de le défoncer comme ça. Pauvre Chaglam, est-ce que je le retire? Mamma mia, mia, mia.
contre Moufouette et Shaglam. Après, est-ce qu'on y tient tant que ça, Shaglam? C'est ça la question. Bah oui, quand même. Ça va être chiant de l'arrière. Je préfère utiliser une potion qu'un rappel. C'est ça le problème. Écoutez, on va peut-être utiliser Rocabot. En tant que tank. Oh là là, Kirlia, c'est trop cool. Oh, Rocabot, Motu niveau 12. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on oublie? Gros yeux, allez hop. Tout, 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 tout. Putain, mais une run, ça peut durer super longtemps, en fait. Putain, les restes, c'est génial. Vampi baiser, hop, attaque. Vas-y, jette pierre. Jette-moi des pierres sur ce type-là. Vas-y, termine-le, Rocabot. Ouais. Let's go. Level 12 quand tout le monde est 20, ouais, je te jure. 200? De quoi? Que vous parlez? Ah, 200 tours, 250 tours en tout, ouais, c'est énorme. Hein. 200 pour le normal. Vous êtes bien renseigné, vous êtes bien renseigné. Alors du coup, je vais lui faire utiliser une petite potion normale. Super potion pour Shaglami. Et ça me paraît pas mal déjà, tu vois. On va prendre une petite... Alors Pokéball, il me reste deux. Écoute, on va prendre une pépite, hein, je crois. Oh, il est peut-être sympa, lui. Qu'est-ce qu'on en pense? Guess who's back? Back again. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Un peu de contenu pour les gens ou tu comptes leur montrer que ton bidou là? Hmm? Ok. Alors je vais regarder un truc sur mon tel. Ça peut être pas mal poison, hein. J'ai peut-être envie de le... Non. J'ai pas envie de le défoncer trop. Oh, wow, wow, wow. Mais je crois que c'est lui qui va me défoncer plus que l'inverse. Oh ! En effet. Pokémon. Je vais prendre un truc neutre. Genre Castorno. Oh, mais qu'est-ce qu'elle vous fait? Elle vous drague ou quoi? Mais elle vous drague. Non. Miasasme, miasme. J'ai choisi un Pokémon déchet. Non, je réveille Aria. Ah, trop le seum. Oui. Je veux le changer à la place de Rocabot. Wouhou. La place de Rocabot. Ouais, niveau 12, c'est chiant. Hein. Niveau 12, c'est relou, quoi qu'il arrive. Hein. Tu récoltes les déchets? Bah ouais, regarde, il y en avait à côté de la route, là. Je me suis sentie obligée de les pick-up. Dans mon pick-up. Restore tous les PV d'un Pokémon. The dream. The dream, the dream. On peut peut-être utiliser un truc Holor Précision plus que récit pendant 5 combats. Ça peut être pas mal, ça. T'as choisi un Pokémon qui représente bien la team. Wouah, tirature, tu... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je te permets pas, là. Hein. C'est un peu violent, ce que tu dis. What the fuck?
Allez, précision. Oh, Smogo ! Oh, Smogo, le Pokémon ! On est... Oh ! Oh non, je suis désolée, j'ai fait tomber mon téléphone. Elle a trop le seum. Oh non ! Désolée ! Désolée, babes. Alors, heureusement, elle est restée là. Elle aurait très bien pu se casser. Je suis trop contente. Alors, type offensif, poison. Alors, poison, il est nul contre. Psy, sol. C'est bien, j'ai bien des Pokémon de type sol, c'est cool. Elle est KO de fou, ouais, je te jure. Roche, c'est bien. C'est un peu naze, hein. Ah, oh, c'est nul. Oh ! Pistolet à eau ? Mais attends, je vais mourir, là. Pistolet à eau ? Je suis niveau 19. Alors, attendez. Tout. Oh, c'est faible contre poison. Ouais, mais je sais pas quoi faire, en fait. Morpeko ? Je sais pas. Casse-brique ? On sait rien. C'est nul. Je sais pas quoi faire. Je sais ce que je vais faire. Voilà. On évite les problèmes. Alors, qui c'est qu'on peut virer? On peut peut-être virer Miasmiasme, non? Alors, lequel est plus stylé entre Smogo et Miasmiasme? C'est la question. J'ai l'impression que Smogo est plus classe, mais bon, c'est peut-être mon imaginaire. Mais Kirlia, le problème, c'est qu'elle est fée psy. Il me semble que poison contre fée, c'est assez fort, donc c'est chiant. Smogo, il avait des meilleurs stats. Allons garder Smogo. Smogo go. Smogo gi. Alors... ok... Smogo il pue, Miamas il pue. Aussi mais c'est des poubelles en plus. Donc je dirais Smogo. ok, on peut utiliser une potion grâce à ça. 10 pp d'une capacité d'éclair en temps à 0. Ok... Ouais, mon chat il est trop mignon. Ah mais je suis complètement d'accord là, pour le coup, effectivement. Tout. Bon vas-y, on va utiliser des potions là. J'ai trop peur de la suite en fait là. On va utiliser la potion pour Kirlia. Quelle horreur. Moi qui galère, tu sais. Bon vas-y, on y va comme ça. Vas-y, on va y aller comme ça. Et du coup, il me semble que Psy, c'est fort contre poison, exactement. Alors, Morpeko, du coup. Il va attaquer, attaquer Claire. On va voir ce que ça donne, je sais pas. Kirlia va attaquer une attaque de type Psy, exactement. Elle va chercher à endormir, je pense, parce que sinon, ils vont nous saouler, en fait. Oh, empoisonné en plus, oh là là. Oh, elle a raté son attaque. Et elle meurt. Purée. Ah oh, c'est pas vrai. Est-ce que je vais mourir contre des gens, là? Comme ça, là? C'est possible, hein. Smogo. Allez, Smogo. Oh là là. Arrogance. Oh, je sais pas quoi faire. Vive attaque. T'as de mort.
Smogo, je sais pas du tout qu'est-ce qui est quoi et quoi, donc. Ok, bain de smog, allons-y. Amnésie. D'accord, entrave. Bibliothèque. Oh, il se disable. Orpeko qui perd encore plus de PV. Orpeko qui peut plus utiliser Vive Attaque du coup, qui risque de crever, je pense. Donc on va utiliser éclair sur ça. Comme ça, on est sûr de tuer l'autre. Oh, Smogo, je suis pas si mécontente de l'avoir pris parce qu'au final, c'est giga ok. J'espère que Morpeko va pas mourir tout seul, ce serait dommage. Pitié, Morpeko, survie. Combo griffe. Ouais, contre griffe, je pense, du coup. Ah non, 18. 18 par attaque, j'imagine. Contre rugissement. Ça va être complet pour Kirlia sur la map. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression, hein. Oh non, Morpeko qui meurt tout seul. Quel dommage. Je suis trop deg. Écoutez, un petit chaglam. Combo griffe. Et on peut utiliser des tritus. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Allez, combo griffe, on repart. Et Smogo. Allez. Dégagez de chez moi. Dans la map poison, là, elle me cringe. Attendez, je vais regarder ce qui est fort contre poison, en fait, parce que... Qu'est-ce qui est vraiment fort contre poison? Oh, le rappel max qui fait extrêmement plaisir. Hâte, c'est quoi, déjà? Lanceur se relaxe et allège son corps pour beaucoup augmenter sa vitesse, d'accord. Donc, poison, défensif, c'est... Il y a psy qui est fort contre poison, il y a sol. Est-ce que je reste Kirlia alors même qu'elle est nulle, mais en même temps elle a les capacités psy, donc elle peut être clutch, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Enfin, je pense qu'on va faire ça, hein. Ouais, ça fait 128. Ça fait 228. C'est toujours moins cher qu'une super potion, donc si jamais je dois reste 40 PV... Les calculs mentaux, là, sont au maximum. Ouais, 54 sur 55, ça va aller, je pense. 55 sur 55, parfait. Et là, du coup, on va pouvoir utiliser rappel max, je pense, sur Kirlia. Ouais. Oh, le chauve. Loubar Cameron. C'est quoi ce bébé? La 4 cam qui est trop mignonne. Oh non! Oh non! Au moment où je dis ça, elle se barre. J'ai un peu froid, vite, des calculs mentaux. Ce n'est qu'un au revoir, Aria. Ce n'est qu'un au revoir. Allez hop! Ok. Désolé, à chaque fois je regarde la table, mais il faut que je le fasse parce que sinon... Donc, avec insecte, du coup, c'est feu, roche et vol. Oh! Alright! Aéropique. Super efficace. Hypnose, s'il te plaît. Meurs pas ma puce, chaglam.
Tu me l'endors, voilà, tu me l'endors. Allez, allez, c'est bien Shagam, avant de crever, parfait. C'est bien Shagam, c'est tout ce qu'on voulait. Bien joué. Je t'envoie Kyria, moi, et je t'envoie une rafale psy dans la gueule, tu vas voir ce que tu vas voir ce que tu vas voir. Bring. Des calculs mentaux, exactement. C'est Pokérogue sur internet. Vous pouvez avoir un compte gratos et tout. Vous faites ce. Vous pouvez faire comme vous voulez. Oh le Pokémon trop stylé, comment je suis trop jalouse. Oh là là, ténèbres. Bouloulou. Fée c'est fort et psy ça marche pas. Oh the dream. Mais le meilleur Pokémon à m'envoyer en fait. Ouais non, Pokérogue du coup c'est un site en fait et tu peux grave faire une run comme tu le souhaites. Et t'as pas besoin de Dratan's Mail. Ah oh. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh. Mais si je peux pas utiliser Vampy Baiser, je suis foutu. Un fan-made, ouais tout à fait. C'est juste Protec. Ah voilà. Absol. Oh the dream. Niveau 27. Là, ils sont tout le temps en train d'apprendre des capacités buée noire. Alors qu'est-ce que c'est? Glace. Ouh, crée un brouillard qui annule les changements de stade de tous les Pokémon au combat. Ça peut être pratique, hein, ceci dit. Mais bon, c'est pas non plus. Attaque à l'aide d'une éruption de gaz répugnant qui peut aussi empoisonner la cible. Et la puissance de cette capacité est deux fois plus élevée si la cible est déjà blessée durant ce tour. A déjà été blessée durant ce tour. Ok. Le lanceur projette de la boue bizarre sur la cible, changement de stade de la cible sont annulés. Oh! D'accord. Je le mets à la place de bain de smog du coup, buée noire. De toute façon, honnêtement, je risque très peu de l'utiliser, mais des trucs donc s'ils sont protégés, projetés sur la cible, ce qui peut aussi l'empoisonner. Bain de smog pour moi. Dans mon monde. Hein. Niveau 23, wow, ils sont en retard. Hein. Oh là là, mais on se débrouille trop bien là, c'est génial. Trop trop bien. Augmente de 10% de base, 10% PV de base de supporter. Oh, ça peut être sympa ça pour Kyria. Double les chances de tomber sur un combat double. Augmente le taux de coup critique si les PV sont inférieurs à 25%. On en pense quoi lui là, PV+, ça peut être sympa, on est d'accord, hein, je pense. Je vais peut-être raise un ou deux mecs là. Et en même temps, ça coûte 1100. PV+. Pour Kyria. C'est quoi cette merde? Ça c'est les rats de Paris, ça je reconnais. Ça c'est dans Ratatouille, ils sont comme ça aussi. Oh, j'ai presque plus de PP. J'ai presque plus de PP. Ouh là 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 là. Je vais changer de Pokémon. Laissez-moi changer de Pokémon. Meowth. Jackpot. Ah le bâtard. Ok. Assurance, c'est quoi déjà l'assurance? Ah, il a déjà subi des dégâts. Dans le même tour, mais du coup, ça marche pas.
poison détritus. Mais ma chouille, c'est vraiment insupportable. Hein. Rat attack, niveau 24. Je crois que je m'en fous. Hein. Oh, le problème, c'est que j'ai tué un autre mec. Là, je dois réa, je pense. Charme. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le lanceur fait les yeux doux pour berner la cible et beaucoup réduire son attaque. Moi, j'aime beaucoup les différents spells qu'elle a là actuellement. Kirlia. Honnêtement, hein. J'aime vraiment beaucoup tous ces spells et je suis pas sûre que Charme ce soit très... beaucoup réduire son attaque. Ça peut quand même être cool, mais je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire votre avis. Ouais, j'ai un gacha à faire, ouais, j'ai vu. Ok, alors je vais utiliser une huile. Pour vampiriser parce que je n'ai plus de trucs et on va utiliser un rappel hein, je pense parce que j'ai peur là. La question c'est Semiaous, Morpeko ou Shaglam. Oulou. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Lequel entre les trois? Peut-être Miaous hein. Et encore, Miaous, je me dis peut-être qu'il perd en... Oh, quoique, un Miaous, peut-être. J'ai plus beaucoup de thunes, là. Ok. Maxi pépite. Oh, 1004. Nice. Je me souvenais plus. Smogu. Alors. Changez votre Pokémon. Bah, ça dépend. Est-ce que vous pensez qu'il va se faire tuer par. Est-ce que Kirlia va le buter direct ou pas? Vas-y, je vais garder ça. Détritus, tiens. C'est que des combats. Oui, en fait, c'est ça. C'est tout à fait ça, Pokérox. C'est que des combats. Et comme tu vois, juste après chaque combat, t'as le choix entre trois items qui peuvent changer certaines choses pour ta run. Et en fonction de ça, il faut aller le plus loin possible si tu veux. T'as des vagues. Et là, on a la vague 38. J'ai jamais été aussi loin de ma vie. Du coup, je suis trop contente. Elle est insup, cette map. Elle est trop chiante. Oh, regardez les deux débiles qui s'affrontent, là. Regardez les deux cons là qui s'affrontent. Ah vas-y, ça lui fait trop mal. Allez, petite ruse. Voilà. Non, ça lui fait trop mal à mon Miaous. Rappel Max. Oh oui, let's go. Let's go, let's get it, let's get it. Pou. Alors 62, je pense qu'on va lui donner une grosse potion à lui. Toi, ça ferait 39, c'est pas dingue quand même. Hein. Super potion pour Smogo. 39, on va te redonner une petite potion. Parce que c'est moins cher en fait quand même, hein. Ok, et on va pouvoir raise. Alors soit on raise Morpeko, soit on raise Shaglam. Laquelle on raise? Non mais Smogo et Mias, ils sont tellement cousins. Ils se tapent mais ils sont en mode... Ils sont trouvés dans la même poubelle quoi, c'est horrible. Ah non mais là de toute façon je suis pas du tout partie pour faire un autre jeu. Là, je suis partie pour continuer Poker en détente. Hein. En détente. Rappel Max. Alors, Rappel Max, du coup, j'aurais ski entre Morpeko et Shaglam. La réalité, c'est que Shaglam a jamais clutch là où Morpeko peut clutch, tu vois. Et encore, Shaglam a un petit compo griffe. Morpeko, c'est vachement ténèbre. Ah! Mmh.
Morpeko double type. Ouais, vas-y. Petit Morpeko. T'as de morve. J'en ai trop marre des Pokémon comme ça. On est marre. Laissez-moi tranquille. Bon, vas-y, tu sais quoi? Bluff. Ouais, bluff. Tac. Jackpot. C'est nul. Morsure? Ah ouais. D'accord. Et bah jackpot alors. Miaouss attaque mist encore? Bah alors jackpot, mais qu'est-ce qu'il fait Miaouss? Miaouss. Ruse. Morsure. Mais Miaouss. Miaouss. C'est pas possible, Miaouss. Bon sang. Il a raté toutes ses attaques. Il a raté toutes ses attaques, le... Le boulet. Le boulet que c'est, Miaouss. Je nage en plein dream. Assurance? T'es sûr de toi? Ok. Alors, un petit castorno comme ça s'il meurt, un petit Morpeko comme ça s'il meurt, c'est pas si grave. Vive attaque. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ratent tous leur attaque? Ils s'ébuffent en esquive. Ah oui, sans doute. Mais pitié. Pitié. Et Vlatipak Morpeko, il va crever. Tout seul. Comme un grand. Ah, plus 4 en esquive. Putain. Quand même. J'aurais pu utiliser le truc qui fait... qui nettoie les effets, là, avec Smogo. J'aurais pu faire ça. La puissance de cette capacité est deux fois plus élevée si la cible a déjà été blessée durant ce tour. Si la cible... On parle pas de moi, là. On parle de la cible. C'est ça, Vizi. C'est ce que j'avais compris avec la capacité, mais j'étais pas sûre. Bah écoutez, moi, assurance, je trouve que c'est vachement situationnel, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est banger, je sais pas. Hein. Dans quelle situation c'est banger, en fait? C'est rare. Bonjour, c'est ici la plus grande tresseuse de l'histoire de Bourg-Palette. Ouais, t'inquiète. C'est fort en 2v2. Ouais, bah ouais. Mais du coup... Moi, je suis pas fan, écoutez. Tant pis. Et Morpeko qui meurt tout seul. Oh là là, mais quel dommage. J'ai plus de thunes là. Rappel 1002. On est au tour 39. Oh ok, de toute façon, on va utiliser un rappel, hein, étant donné qu'on risque de crever potentiellement. Ah. Mamma mia. J'ai encore assez si j'utilise pour Miaouss. Alright. 1006, ok, il me reste 400 si je veux utiliser encore des trucs. Total soin, ça c'est un problème. Hein. Non mais après Morpeko il est mort donc c'est pas si mal. Morpeko, qui c'est qui peut clutch là? Je dois en reste qu'un seul parmi les trois. En même temps Smogo il est niveau 25 mais il pue un peu la merde. Mais il peut temporiser là où Morpeko est un peu plus faible quand même. Hein, niveau 19. Le super bonbon, revive pas si tu fais gagner un level. Oh putain.
Ce serait fou. Ce serait dingo dingui. Je crois pas que ça marche comme ça. Il me semble pas, ce serait un peu cheaté comme truc. Morpeko, Smogo, Shaglam. Je vais quand même rester au Smogo, je crois. Je sais pas. Parce que c'est le seul qui résiste un peu bien au. C'est un peu nul, hein, mais bon. On va essayer d'utiliser un super bonbon sur Morpeko. Et ça marche pas, il est mort. Vous voulez oublier une capacité et remplacer flatterie. Mais il est mort. Oh, la cible confuse me gointe son attaque spéciale. Je suis pas fan. Oui. Elle est toujours décédée, hein. Chose de Pokémon, bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi donc? Do what with the Pokémon? Oh non, on a trouvé un glitch! Send out. Ah, pardon! Oh là là, est-ce qu'on prend Kirlia? On va prendre Kirlia. Ça va. Alright! Acier. Donc il y a combat qui est pas mal, feu. Et sol. Et il est fort, je crois. Ah! Acier poison. Ouais. Non mais écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Moi j'ai bien envie d'essayer d'hypnose. Ok. Faut lui enlever sa première barre si tu veux le capturer. Ok. Oh putain, attends. Ah si, poison. Oh la merde noire. Dans laquelle nous sommes, messieurs dames. Ce qui est catastrophique. Sol. J'ai pas de truc de type sol, quoi. Oh, le sol là qui me. Boost plus boost speed, ça sent le GG. Ça sent pas le GG, ok? Arrête! Purée de pois! Buée, s'il te plaît! Vas-y! Ah! C'est la fin! Attendez. Peut-être qu'avec roulade, ça peut le faire? Coup de boule! Ou coup de boule, vous choisissez. Capture-le. Je suis pas sûre de pouvoir. Hein. Je suis pas sûre de pouvoir. J'ai une hyperbole. Est-ce que les hyperboles, ça peut marcher? Faut casser son shield. Tente, mais je sais pas. Hein. Pas si j'ai envie de tenter. Ok. Mais pourquoi il flinched? Mais arrêtez de flinched! Faut bien se battre!
Mais si je tente l'hyperbole et que ça marche pas du tout, on est d'accord que... Fuite. Fuite. Ça marche pas, fuite. Je crois pas. Les coups de boule. Mais c'est nul, il est juste trop fort et il a utilisé juste une attaque en boucle et il m'a défoncé à cause de ça. J'étais trop bien. Oh, avec mon Kyria. Ma Kyria, elle était trop mimi. Avec mon Miaous. Oh, c'était trop bien, j'ai trop aimé. Mes pauvres petits Pokémon, et ça y est là, ils sont morts là, tous. Mais non, en vrai GG hein. On allait jusqu'à la run 40 quand même. Ouais, j'étais jamais allé si loin de ma vie. Ce n'est qu'un ciao. Ouvre ton gacha. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Vous êtes prêts pour le gacha? Le gacha de fin de game. Oh, c'était génial. Ce n'est qu'un ciao, mes Pokémon. Quoi couper là? Qu'est-ce que je dois faire? Shiny perso, ça c'est, je sais pas ce que c'est un Pokémon. Le jaune. Mais ça c'est des Pokémon random, hein. Milieu ou droite, shiny. Vous voulez des shiny? Vous voulez qu'on chope un shiny? Vas-y. Milieu pour légendaire. Ouh, wow. Oh, ça peut être stylé quand même. On est d'accord que j'ai 5 tirages du coup. Ça veut dire ça, donc je peux en faire un petit peu là, un petit peu là. Ou alors j'ai qu'un seul tirage parce que un seul coupon. Vous voulez pas assez de coupons? Ah, je suis pas sur le bon ticket. Ah, pardon. Ah, ça m'en donne 5 d'un coup. Oh, j'ai que des communs, non. D'accord. Mais attends... Et du coup, je fais comment? Allô? Il faut attendre que ça éclore. Il s'ouvre après 10 combats. Oh là 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 là! Ok. Si je joue, ils vont éclore en jeu. Faut les faire cuire, MDR. Ah, je peux pas vous quitter sur ça, mais... mais bon. Peut-être, hein. Peut-être que si. Hein. Merde. Non, mais Pokérock, c'est super. Petite d'air. Non, je vais aller manger, j'ai des trucs à faire ça après, mais non, je dois bien faire des trucs. C'est dame, on a fait une run exceptionnelle, imaginez, on fait encore 40 vagues là, non. Non, non, non. Oh, c'est pas possible. On va par contre refaire du Pokérogue, écoutez, j'ai rien prévu demain. On peut se refaire à la même chose demain, hein. Juste pour les œufs. Ah, Elita, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton mot de passe? Ah non.
Ouah, t'as invoqué Aelita, qu'est-ce qui se passe? Trop drôle. Miss Click. Non, messieurs, dames, écoutez, moi je pense qu'on va, on va faire ça demain matin, ok? On se retrouve demain, 9h30, 10h, comme aujourd'hui, pour faire la suite de Poké Rogue, ok? On va se refaire une run avec les petits œufs, là, voilà. On va faire ça demain. Ok? Il a balancé son mot de passe, je te jure. Le mot de passe qui est également le pseudo de quelqu'un dans ce chat. Nouveau moteur de recherche. Alors, bah Google. Voilà. Messieurs, dames, je suis trop contente. On a fait level 40 aujourd'hui sur Pokérogue Dream. On continue ça demain, Pokérogue. On refait une autre aventure et on fera un autre jeu aussi par la même occasion. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire des trucs, mais demain, je pense qu'on fera un plus gros stream. Donc, à suivre, exactement. Des gros bisous. Merci à tous d'être passés par ici. C'était grave chouette. Portez-vous bien, passez une bonne fin de semaine, c'est très important, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve demain matin. Pour ceux qui sont chauds. Plus, plus, ciao, ciao. Alors cet après-midi, moi je vais faire le ménage. Je vais aller faire les courses. Je vais faire plein de trucs en vrai. Je vous raconte ça demain. Allez, des bisous, messieurs, dames. Bonne journée. Merci à tous. Je vais vous envoyer en raid chez... On peut aller chez Zaroid en vrai, ça fait longtemps. Zaroid qui est sur Overwatch, qui se fait un petit défi tank. Voilà, il est sympa, n'hésitez pas à le soutenir. Ciao, ciao! Des bisous! C'était super aujourd'hui. J'ai bien aimé. Très chill, comme d'habitude. Mmh, bah! Bah!